Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans notre émission L'heure de vérité. Guten Tag, Geschwister. Wir begrüßen euch herzlich zu unserer Sendung Die Stunde der Wahrheit. Aujourd'hui, je suis avec Nicole et l'évangéliste Patience. Nous sommes ici à Regensburg. Heute bin ich hier zusammen in Regensburg mit Nicole und dem Evangelisten Patience. Et aujourd'hui, nous faisons une émission un peu spéciale et donc on va se laisser conduire par le Seigneur. Und heute wollen wir eine besondere Sendung reinstellen und werden uns wieder vom Herrn führen lassen. Alors, bonjour à vous. Bonjour Fabien. Hallo zusammen. Bonjour Nicole, hallo Nicole. Hallo. Alors, bonjour Pastor, comment ça va? Bonjour Fabien, ça va. Le Seigneur nous garde, c'est pas... Je crois aussi que le Seigneur vous garde aussi. Amen. Il garde aussi Nicole. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Der Herr behütet uns alle. Amen. Donc, avant qu'on commence, qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, nous aimerons tous remercier le Seigneur pour ce moment. Bevor wir anfangen und tiefer gehen ins Wort, wollen wir dem Herrn danken. Alors, nous allons prier. Seigneur, que ton nom soit loué, glorifié, et au chaud, au chaud, Nous laissons ce temps que nous voulons, Père, que ton nom nous garde, que ton nom protège tout ce que nous allons faire, que ton nom, Seigneur, Papa, éclaire notre intelligence, éclaire notre sagesse, éclaire toutes choses, Père, tout ce que nous allons sortir ici, que le Saint-Esprit nous aide, parce que ton esprit est venu pour nous aider dans toutes choses. Père, nous laissons toutes choses du commencement jusqu'à la fin, avec tes saintes mains. Oint nous sur nos personnes, oint nos bouches, oint tout ce que nous sommes au nom de Yeshua Mashiach, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Donc, je vais te donner la parole. Tu as le mot. Bonjour bien-aimés, bonjour vous qui allez nous écouter. Geliebte Geschwister, alle die uns hören, guten Tag. Nous sommes ici en Allemagne, précisément à Regensburg. Wir sind hier in Deutschland, in Regensburg. Le Seigneur nous a fait grâce de venir encore avec ces messages devant vous, qui allez nous écouter. Und der Herr gibt uns Gnade, damit wir mit einer Botschaft euch dienen können. Parce que l'Allemagne est un pays qui nous a reçu. Deutschland ist ein Land, das uns gut aufgenommen hat. Mais si nous regardons un peu l'image de nos églises ici en Allemagne. Aber wenn wir ein bisschen unsere Gemeinden hier in Deutschland ansehen, vous allez remarquer qu'il y a que des noirs. Gibt's nur Schwarze. Mais en réalité, l'Allemagne c'est un pays blanc. Aber in Deutschland ist ja ein weißes Land. Donc c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas. Also irgendwas stimmt nicht. Parce que quand je regarde à la lumière de la parole, denn wenn wir das Licht der Wahrheit ansehen, si le filet est jeté dans l'eau, wenn das Netz ins Wasser geworfen ça ne trappera pas seulement un seul poisson. Wird nicht nur eine Fischart gefangen. Mais ça va prendre tous les poissons qui vont se trouver dans ce lieu-là. Sondern all möglichen Fischarten. Voilà pourquoi, vraiment avec le Seigneur, comme la Bible dit, nous ferons des exploits. Und deswegen glauben wir, dass wir mit dem Herrn auf Beutezug gehen. Et il écrasera nos ennemis. Und er wird unsere Feinde zertreten. Et s'il y a des ennemis qui ne veulent pas que les gens se convertissent dans ces pays, und wenn es Feinde gibt, die nicht wollen, dass die Leute zum Herrn umkehren in diesem Land, mais Yahweh les écrasera. Aber Yahweh wird sie zertreten. Parce que les cieux et la terre appartiennent à Yahweh. Denn der Himmel und die Erde gehören dem Herrn. Je vous invite vraiment à ouvrir bien vos oreilles. Macht gut eure Ohren auf. Parce que nous voulons parler de quelqu'un. Denn wir wollen von jemandem sprechen. Quelqu'un qu'on aime bien. Amen. Jemanden, den wir lieben. Et son nom, c'est Yeshua Mashiach. Und sein Name heißt Yeshua Mashiach. Celui qui est venu pour nous sauver. Und er ist gekommen, um uns zu retten. Il a donné sa vie sur la croix pour nous. Und hat sein Leben für uns am Kreuz hingegeben. C'est lui qui est notre doudou chéri. Er ist unser Geliebter. Nous sommes dans le livre de Somme. Wir schauen uns mal die Psalmen an. 37. Psalm 37. Le verset 25. Vers 25. Je étais jeune. Ich bin jung gewesen. Je vieillis. Und alt geworden. Je n'ai pas vu le juste abandonné.
Doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen. Ni sa postérité cherchant du pain. Oder seinen Samen, seine Nachkommenschaft um Brot betteln. Je le prends encore. Wir lesen nochmal. J'ai été jeune. Ich bin jung gewesen. J'ai vieilli. Und alt geworden. Et je n'ai pas vu le juste abandonné. Doch habe ich nie den Gerechten ni verlassen gesehen. Ni sa postérité cherchant du pain. Oder seine Nachkommen um Brot betteln. Bien-aimé, quand nous réalisons la parole de Yahweh, wenn uns das Wort Jahwes bewusst wird, ce n'est pas la parole des hommes. Merken wir, dass es nicht das Wort von Menschen comme ist. Vous le savez vous-même, ihr wisst doch, que David était un prophète. Dass David ein Prophet war. Un prophète authentique. Ein authentischer Prophet. Qui ne parlait pas de lui-même. Der nicht von sich selbst sprach. Mais il parlait poussé par l'esprit. Sondern durch den Geist sprach. Et à part cela, il avait des choses qu'il avait vécues avec Yahweh. Und er hatte Dinge, Erfahrungen, die er mit Yahweh gemacht hat. Parce que quand il parle que j'étais jeune. Weil wenn er sagt, ich bin jung gewesen. C'est comme tout le monde aussi, nous sommes nés, on était aussi trop jeunes, on est devenus jeunes. Et lui parlait de sa jeunesse. War er so wie jeder jung geboren und er spricht wie von seiner Jugend einfach. Mais vous allez voir que sa jeunesse, il a passé ça dans la forêt. Seine Jugend hat er auf der Weide im Wald verbracht. Ses grands frères restaient à la maison. Seine Brüder waren zu Hause. Et lui était avec les animaux, le pâturage de son père. Und er war immer bei der Herde draußen. Mais il dit, malgré cela, aber trotzdem, il était jeune, sagte er, ich bin jung gewesen. Mais Yahweh était toujours avec lui. Amen. Yahweh war aber immer bei ihm. Même dans la forêt. Auch draußen auf dem Feld. Yahweh était toujours avec lui. Amen. Yahweh war immer bei ihm. Même s'il y avait des animaux qui voulaient le tuer ou tuer, prendre les animaux de son père. Selbst wenn es wilde Tiere gab, die ihn oder die Herde töten wollten. Mais Yahweh était toujours là. Yahweh war immer bei ihm. C'est pourquoi il peut raconter ça. Und deswegen spricht er so. J'étais jeune. Ich war jung. J'ai vieilli. Und bin alt geworden. Je n'ai pas vu un juste abandonné. Donc ich habe nie den gerechten verlassen. Donc ce n'est pas les situations que tu vis que Yahweh va t'abandonner à cause de ça. Non. Also nicht deine Situation wird Yahweh hindern dir zu helfen. Donc les situations que tu vis ne peuvent pas empêcher Yahweh de quitter ta vie. Die Situation, in der du gerade lebst, kann Yahweh nicht dazu bewegen, dein Leben einfach zu verlassen. Même disons les maladies peut-être que tu vis à ce temps que nous sommes ne peuvent pas te séparer avec Yahweh. Non. Auch wenn du gewisse Krankheiten erlebst, das kann dich nicht von Yahweh trennen. Peut-être tu es ici en Allemagne. Wenn du hier in Deutschland bist. Peut-être tu es ici en Allemagne. Vielleicht bist du hier in Deutschland. Peut-être en Afrique. Oder in Afrika. Disons en Europe aussi. Oder in Europa irgendwo. Mais je veux te rassurer. Aber ich möchte dir versichern. Yahweh n'abandonne pas son peuple. Yahweh verlässt sein Volk nicht. Quel que soit le combat que tu peux rencontrer dans ta vie. Egal welche Kämpfe du in deinem Leben gerade Yahweh durchstehst. Yahweh sera toujours avec toi. Yahweh wird immer mit dir sein. Vous savez que le père de David était on l'appelait Isaïe. Der Vater von David hieß Isaï. Il avait connu beaucoup d'enfants. Und er hatte viele Kinder. Mais il a préféré prendre David le mettre dans la forêt. Und er hat sich David ausgewählt, um bei der Herde draußen c'est comme si vous bleiben. Si vous regardez bien, c'est comme si David était un enfant. Donc comme un bâtard, un enfant qui n'était pas préférable de son père. Er war also irgendwie ein Vater verlassenes Kind. Oder Missgeburt. oder eine Missgeburt. Parce que on a pris David, on l'a mis un, et donc disons le petit de la famille, on le met dans la forêt. Den kleinen aus der Familie hat man einfach rausgeschickt. Mais cela n'a pas empêché que Yahweh se manifeste un jour. Amen. Aber Yahweh hat das nicht gehindert, dass es sich eines Tages zeigt. Voilà ce que l'ennemi fait ja des fois. Das tut der Feind manchmal. Pour nous faire croire que Yahweh ne nous aime pas. Um uns denken zu lassen, dass Yahweh uns nicht liebt. Ici, quand je lis le texte, und wenn ich diesen Text lese, il nous explique bien, il était jeune, sagt er, ich bin jung gewesen.
Et il a vieilli. Und alt geworden. Il n'a jamais été abandonné par Yahweh. Aber er wurde nie von Yahweh verlassen. Bien-aimé, nous devons croire à cette parole. Wir müssen an dieses Wort glauben. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre. Solange wir auf der Erde sind. Yahweh ne nous abandonnera jamais. Wird Yahweh uns niemals verlassen. Nous devons seulement marcher tout droit avec lui. Wir sollen gerade mit ihm gehen. Nous devons nous laisser à lui. Wir wollen uns ihm hingeben. Et lui nous donnera la force. Und er wird uns dann Kraft geben. Vous savez, ici, j'ai vu un mot qui m'a vraiment plus intéressé. C'est, il dit que les justes. Und hier habe ich ein Wort gesehen, das mich sehr interessiert, und zwar, das ist das Wort der Gerechte. Qui est un juste? Wer ist der Gerechte? Un juste, c'est quelqu'un qui est justifié par Yahweh. Ein Gerechter ist derjenige, der gerechtfertigt wurde durch Yahweh. C'est quelqu'un qui est défendu par Yahweh. Jemand, der von Yahweh verteidigt wird. Quelqu'un qui est gardé par Yahweh. Jemand, der von Yahweh bewahrt wird. Quelqu'un qui est protégé par Yahweh. Jemand, der von Yahweh beschützt wird. Et la Bible me dit. Und in der Bibel steht. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Wer im Schutz des Höchsten steht. Donc celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Bleibt im Schatten des Allmächtigen. Donc le juste, c'est quelqu'un qui est sous l'ombre du Tout-Puissant. Das ist der Gerechte. Der im Schatten des Allmächtigen bleibt. Bien, mais regarde un peu la chrétienté d'aujourd'hui. Pourquoi nous ne croyons pas que Yahweh peut faire toute chose? Schaut mal die heutige Christenheit. Warum glauben wir eigentlich nicht, dass Yahweh alles tun kann? Quand tu déplaces sous l'ombre de quelqu'un. Wenn du dich wohin bewegst, bewegst du dich unter dem Schatten von jemandem. Mais pas l'ombre de ton père biologique, non? Nicht der, nicht unter dem Schatten deines biologischen Vaters. Pas l'ombre de sous l'ombre de ton pasteur, non. Oder unter dem Schatten deines Pastors. Pas l'ombre sous l'ombre d'un pasteur, d'un évangéliste, d'un apôtre, d'un prophète, bien d'un docteur, non. Nicht der, unter dem Schatten eines Lehrers, eines Evangelisten, eines Pastoren oder Apostels. Même pas sous l'ombre d'une assemblée quelconque, non. Oder auch nicht unter dem Schatten einer Kirchenversammlung. Mais sous l'ombre de celui qui a créé les cieux et la terre. Sondern unter dem Schatten dessen, der den Himmel und die Erde erschaffen hat. Tu vas au travail sous l'ombre. Du gehst in die Arbeit unter dem Schatten. Tu sors de ce travail sous l'ombre. Du gehst auch aus der Arbeit wieder nach Hause unter dem tu Schatten. Tu rentres de ton travail, tu es à la maison sous l'ombre. Amen. Du gehst nach Hause in deine Wohnung unter dem Schatten. Même si tu montes au bord d'un avion, tu es sous l'ombre de celui qui a créé les cieux et la terre. Selbst wenn du in ein Flugzeug steigst, bist du unter dem Schatten des Allmächtigen. Voilà un juste. Das ist der Gerechte. Pourquoi ne devons pas être dans la joie avec ce genre de choses? Warum freuen wir uns nicht einfach mit solchen Zusagen? L'ombre ne sont pas cachés sous cette ombre parce que nous avons beaucoup d'argent. Non. Wir sind nicht unter dem Schatten, weil wir viel Geld haben. Même les pauvres. Auch die Armen. Riche. Auch die Reichen. Les gens qui n'ont pas d'intelligence. Die Unintelligenten. Donc toutes les catégories de personnes qui croient à cette parole de Yahweh. Jede Kategorie von Personen, die an dieses Wort glaubt. Qu'ils soient noirs. Ob schwarz. Blanc. Ob weiß. Jaune. Ob gelb. Marron. Oder ob braun. Le fait seulement de mettre ton espoir à Yahweh. Wenn du deine Hoffnung auf Yahweh setzt, l'ombre marchera avec toi. Dann bist du unter dem Schatten. Les chercheurs peuvent venir faire tout ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas. Die Feinde können tun, was sie wollen, sie können nicht. Parce qu'il est écrit. Weil es steht geschrieben. Ils te feront la guerre. Sie werden mit dir Krieg führen. Mais ils ne te vaincront pas. Aber sie werden dich nicht überwinden. Das ist das Wort Yahwehs. Cette parole là, quand j'écoute ça. Wenn ich dieses Wort höre. Ça me fortifie. Macht's mich stark. Ça me donne la force. Das gibt mir Kraft. Même si je suis seul. Auch wenn ich même si les gens ne veulent pas de moi. Auch wenn die Leute mich même nicht si, wollen. Même si je suis rejeté par les hommes. Auch wenn ich von Menschen verlassen. Même si les gens ne veulent pas me calculer. Auch wenn die Leute nicht mit mir rechnen. Je m'en fous de tout ça. Ist mir egal. Je sais que. Ich weiß eins. Je suis sous l'ombre. Ich bin unter dem Schatten. Quand nous dormons avec ma femme à la maison. Wenn ich mit meiner Frau zu Hause im Bett lieg. Nous sommes sous l'ombre. Alleluia. Sind wir unter dem Schatten. Donc toute chose qui va venir contre nous. Alles was gegen uns aufsteht. Le Seigneur va le combattre. Amen. Wird vom Herrn selbst bekämpft werden. Soyez bénis. Amen.
Amen. Seid gelobt. Vraiment, bénissons Yahweh parce qu'il nous aime. Und wir loben den Herrn, weil n'oubliez pas ça, c'est un enseignement que tu ne pourras jamais oublier dans ta vie. Das ist eine Lehre, die du nie im Leben vergessen sollst. Même si les promesses que Yahweh t'a fait n'arrivent pas encore, sache-le que quand même il y a une ombre sur toi. Auch wenn die Versprechungen, die dir der Herr gegeben hat, sich noch nicht erfüllt haben, du bleibst unter dem Schatten des Allmächtigen. Que Yahweh vous bénisse. Halleluja. Ja, wir segne euch. Que Yahweh soit loué. Halleluja. Wow. Halleluja. Moi, j'aimerais juste ajouter quelque chose, un verset. Il y a pas de souci. Je veux gerne einen Vers hinzufügen. Qui passe très bien, parce que ce matin, c'est ce que je lisais même dans Romains 8. Je disais ça ce matin. Ich habe heute in Römer 8 gelesen. Romains 8, 31. Je crois que ça passe très très bien avec ce que tu viens de. Wunderbar. Ce qu'on vient de lire. Das passt sehr gut zusammen mit dem, was du gesagt hast. Que dirons-nous donc à ces choses? Was wollen wir nun dazu sagen? Si Elohim est pour nous. Ist Gott für uns? Wer kann qui gegen sera uns contre sein? Nous? Wer kann gegen uns sein? Alléluia. Alléluia. On continue. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi gracieusement toute chose avec lui? Der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Et le verset 33 maintenant. Qui s'avancera en accusateur contre les élus d'Elohim? Wer möchte die Auserwählten Elohims beschuldigen? Elohim est celui qui justifie. Elohim ist der rechtfertigt. Qui les condamnera? Wer will sie verdammen? Mashiach est mort, mais bien plus. Il est aussi ressuscité. Amen. Il est à la droite d'Elohim et il intercède même pour nous. Mashiach ist gestorben, aber noch mehr. Er ist auferweckt. Er ist zur Rechten Elohims und vertritt uns. Qui nous séparera de l'amour du Mashiach? Wer wird uns scheiden von der Liebe Mashiachs? La tribulation? Ou la affreuse calamité, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Bedrängnis, oder Angst, oder Verfolgung, oder Hunger, oder Nacktheit, oder Gefahr, oder Schwert. Oder Schwert. Donc, c'était juste pour compléter un peu ce que... Même pas pour compléter, mais pour appuyer ce qu'on vient de... De parler, qui va se lever contre les élus de Yahweh. Ich wollte hier nur bekräftigen mit diesem Vers aus Römer 8, was du schon gesagt hast. Wer kann gegen die Kinder Elohims aufstehen? Que le Seigneur soit loué. Nicole, vous aussi ajouter quelque chose? Möchte gerne auch was sagen. Je veux aussi ajouter quelque chose. Beim Herfahren habe ich an den gleichen Vers gedacht. J'ai pensé au même verset. Und ich habe in meinem Auto die Audiobibel eingeschaltet. J'écoutais la Bible en audio. Das gehört et aus Römer 8. Et c'est ce que j'ai écouté ce matin, Romains 8. Wow. Auf dem Weg hierher. Wow, en chemin pour ici. Wow. Amen. Le Seigneur parle. Hein? Amen. Der Herr spricht zu uns. Alléluia. Frères et sœurs, je crois que ça nous fortifie, nous tous. Geschwister, ich glaube, das wird uns alle stärken. Donc, que le Seigneur nous garde, nous tous, demeurons dans sa présence. Et comme on vient de dire, il est avec nous. Amen. Der Herr beschütze uns alle, bewahre uns in seiner Gegenwart und er ist mit uns. Donc, nous vous donnons rendez-vous à la prochaine émission. Que le Seigneur nous garde nous tous. Au revoir. Bis zur nächsten Sendung. Der Herr beschütze.